Bonjour à tous et à toutes, ici Number et aujourd'hui on se trouve en compagnie de Kibis. Salut tout le monde! Et on va tester notre chance. Donc surtout c'est pour juste claquer un petit défi à Shao Kin. Donc voilà. Normalement ça se dit Shao Kin. Tu me diras, mais je crois que c'est ça. Je sais pas comment tu le prononces. Donc voilà. On va acheter 100 coffres de loterie. Oui, j'ai claqué mes kamas, oui. Non, là j'ai 37 millions, c'est normal, hein. J'ai 3 exos à vendre plus un Dofusoc, donc c'est bon. Je suis bien, vous en faites pas. Donc on va en acheter. Donc ça fait 100 coffres. Non, mais c'est sérieux? Ouf, je crois que j'avais acheté pour 1000 coffres, je me suis fait, oh, putain, je vais me pendre. Non, non, mais j'ai cru m'être trompé quand même. Hein. Hop, voilà, 100 coffres, boum. Si j'ai plus de chance que toi, tu pourras aller te pendre. Voilà. Téléporter un havresac est impossible depuis cette carte. Eh ben, attends, on va juste sortir. On va les ouvrir dans mon havresac, voilà. Toi, je sais pas, t'en as déjà ouvert autant que ça ou pas, Kimis? Non. Bon, ouais, mon havresac est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour le style, vous voyez. Donc, on va tout ouvrir et ensuite, on verra les kamas qu'on se sera fait. Voilà, donc, bon, là, c'est le max. Donc, on va tout ouvrir. Et on va bien voir. J'ai claqué, je sais plus exactement. Ah ouais, parce que je crois qu'on peut gagner des kamas. Non? Normalement, ça le dit, hein, sur le truc. Ouais, je sais, mais là je vais tout ouvrir. Ouais, j'ai payé. Ouais, ça c'est ce que j'avais de base. J'ai payé 4M5. Non, 3M5, 3M5. T'as payé les 3M5. cabas, quoi. Ouais, 3M5, ça va. Je pense que ça va être remboursé, non? Bon, on va commencer. Oh, je vois qu'il y a des jolis coffres là, des très jolis coffres, hein. Ouh, c'est beau tout ça, ouh, c'est beau. Nice, un coffre 200. Trois coffres 200. Ouh, ça c'est bien ça. On aime, on aime, on aime. Ouh, six coffres 200. Ouh, Déjà, c'est oh beau. la vache. Six coffres 200 on a eu. C'est bien 200 ça, hein. Ouais, c'est 200, nice. Ouais, 200 bien évidemment, on ouvrira en dernier. Donc on va déjà ouvrir les 40. Puis je pense qu'on aura que de la merde dedans, mais c'est pas grave. Ça va, ça va. Ah, ok, c'est déjà fini, d'accord. Un peu le malaise, hein. Un peu le malaise. Bon, maintenant on va ouvrir après 40, c'est 60 normalement. Ah non, 120. Ok, comment j'ai rangé ça moi? Ok, bon. On va ouvrir ça comme ça, hein. Ouais, ça va. Oh, encore un coffre. Nice. Ok, pour moi, pas grand chose. Ah, un coffre solide. Bon, attendez, on va juste rouvrir celui-là. Hop, voilà. Mais attendez, il n'y a pas d'autres variétés de coffres? Si, ça, je les ai pas, moi. 80. Ouais, bon, au pire, on va pas trop ranger. On va le foutre là. Hop, voilà. Ah non, non, ça va pas le faire. 80, là, il y a du 120. Faut faire ça. Ça, faut faire ça. Bon, tant pis, hein, on verra comment on va faire. Donc là, on va ouvrir les 80 maintenant. Donc, Oh, ouais. ça me saoule. Et mais attends, mais en fait, il y en a plein que j'ai pas là. C'est quoi de ce bordel? On va le foutre là. Celui-là non plus. Waouh, mais c'est sérieux. J'ai pas tous les coffres. Celui-là j'ai. Ah, j'ai pas ça. Et normalement c'est bon. Donc on va ouvrir les 60 avant. Donc à touche. Hop. Voilà. Bon, on va réouvrir des rouillés. Même si les rouillés c'est totalement inutile, mais c'est pas grave. 60. Ah, il y a des même des niveaux 20. C'est quoi de ces coffres de double? Coffre niveau 20, mec, sérieux. Ah, quoi des trucs là? Yes! Oh bah en fait le coffre niveau 20 il était rentable hein, putain. 2 poudres de résu dans un coffre niveau 20 mec. 100 000 cas, allez au calme. Oh putain je me mets tellement bien. Sur des vieux coffres tout pourraves, tu sais. Ah bon, on va réouvrir cela. Cela j'ai. Voilà. Bon, ensuite, 140.
Merde, j'ai ouvert les 120 avant les 100. Ouais, tant pis, on s'en fout. J'aurais peut-être dû les ranger, hein. J'aurais dû y penser. Bon, c'est pas grave. Non, c'est celui-là. Ok, nickel. Ensuite, celui-là. Ouh, fragment d'écaille. Nice, ça c'est bien ça. Ok, ensuite ceci. 160, level 160. Attendez, il y en a peut-être d'autres que j'ai pas vu. Non, c'est bon. Level 160. Allez, s'il te plaît, du rentable. Ouh. Ah ouais, quand même. Ah, on a eu beaucoup d'autres coffres. Donc, on va déjà ouvrir le loterie. Hop, voilà. Putain, mais rouillé, non mais c'est bon, merci. Fini de te foutre de ma gueule, s'il te plaît. Eh, mais attendez, là, je viens de voir qu'on va d'avoir un 900 roses. Cool. 920 roses en ouvrant un coffre. C'est bien ça. On va juste voir à la fin combien on aura de roses. Ouais, non, si j'aurais fait un parrain, on en aurait eu pour facile une heure. Mais je crois que j'ai beaucoup plus de chance que lui quand même, hein. C'est dommage. Attends, ça c'est level combien ça? 120. Hop, c'est bon, c'est ouvert. Yes! Une boîte de fragments lourds. Lourde plutôt. Nice, ça c'est bien ça. Tu penses que je vais me faire combien, mec? Hein? Tu penses que je vais me faire combien? Bah ça dépend, je sais pas, je crois que 2000 ou 3000 euros, ça fait presque déjà 2 millions. Ben non, impossible. Je te dis que j'en ai acheté 25 000 pour 3M5. Je crois que c'est 15 000 de M. Ouais, là ça a l'air un peu plus juste. Non mais tu penses que je vais me faire combien de kamas en tout, en comptant même les ressources? J'ai aucune idée. Ah, tu m'aides toi. Toi tu m'aides, hein. Tu te fais des camas, Yes! Une c'est ce que je boîte peux te de dire. fra... Combien t'as dit? Tu te fais des camas. Oh bah merci. Yes, une boîte de fragments. Cool. Ça c'est bien ça. Donc on va déjà ouvrir celui-ci. Oh putain! Vas-y, file-moi des trucs encore plus pourrables, hein, je te dirai rien. Et W. Bon. Coban rose des sables. Attention. Ah, déjà, faut déjà ouvrir les fragments. Donc niveau 200 et niveau 120. 120, il y a quoi dedans? Une carte de Dromène. Ouais, c'est un peu de la merde. Et niveau 200, il y a une hyperscamp et une un attaque. Ça va, ça va. 3 pare-chaud doré, bon, c'est un peu de la merde. Ivoire 80, bon, bof. Et blanc 150, on n'a pas trop besoin, mais bon, c'est toujours ça. Ensuite, ah, il n'y a pas beaucoup de roses des sables en fait, hein, en vrai. Combien? Attends, hop. 8 730 roses. Il y en a pour 1 300 000. Et vu qu'HDV sont plus chers, il y en a pour quoi? 1 500 000. Ça va. Ça, il y en a pour 200 000 cas. Ça, je connais pas du tout les prix. Les cas. Quoi, les cas, il y en a pour 36 000? Non, sérieux? Putain, les écailles, ça coûte plus rien à ce point. Ça, je pensais que c'était cher, moi. Eh ben, je sens que c'est pas rentable non plus. Hein, donc voilà. Mais je crois que j'ai quand même plus de rentabilité que lui. Mais en tout cas, j'espère. Ouais, c'est vrai que là, c'est chaud quand même. Bon, bien évidemment, j'avais déjà tout vidé avant. Ouais, bon, on va aller voir comment on peut se faire à peu près. Ah, ça y est, j'ai plus de popo. Alors. Et ouais, à patte. Ou sinon, ce que je fais, c'est avec les roses que j'ai, je rachète des coffres. On a combien? 8 700. Bah ouais. Après, tu peux être rentable. On se trouve, t'auras soit de la chance ou pas de chance. J'irai plus du côté pas de chance, mais ouais, on peut toujours essayer. Allez hop, on va reclaquer les 8 000 roses. 8 000 roses, ça fait combien de coffres? Je sais pas du tout. 8 000 roses. Je sais pas. Allez, on rachète des coffres. S'il vous plaît. 50 coffres. Non, ça passe pas. 25 coffres. Large. 35. Ah! À 20 roses près, on pouvait en prendre 35. Dommage. On va en prendre 34. 20 roses près, bah attends, j'ai des roses moi. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète, t'inquiète.
T'inquiète, entre-temps, on va en regagner, donc ça va, ça passe. Bon, on va les rouvrir. Allez hop, 34. De toute façon, on va juste prendre le temps de regarder. Hop. Voilà. Donc, on va déjà ouvrir celui-là. Non, celui-là. C'est plus petit. 3 roses. Ok, cool. 3 roses, cool. 3 roses, cool. 4 roses, cool. Et T'as 3 gagné que roses, ça? cool. Comme ça, c'était un vieux coffre, ça. 12 roses. Bon, ça, c'est de la merde. 7 roses, de la merde aussi. Et 21 roses, c'est aussi nul. Bon. 23 roses, bon, pas ça. 28, c'est pas ça non plus. 320. Mais ils sont sérieux, putain! Ils me calent un x10 sur un coffre niveau 100. Non mais mec! Du foutage de gueule. Foutage de gueule. Bah, tu sais, il y a des fous partout, Ouais, bah je vois ça, oui. 5 roses, bon, c'est nul. 6 roses, pas beaucoup mieux. Hop. Ensuite là. 24. 32, 26. Yes, une boîte à fragments. Surprenante. Oh, cool. Et ça faisait 28 roses. Ensuite, là. 48 roses. 97 roses. Ah, ok. J'en ai déjà plus. Les lourds, on va vite les ouvrir. 60. 64. Et 80. Ok. 83. Hop, 115. Ouais, 51, c'est nul ça. 62. Une boîte à fragments imposante. Nice, ça c'est bien ça. Ouais, boîte à fragments, on ouvrira après. Ensuite là. Allez, 3. 158. Yes! 1181 roses. Allez! Bah, dommage, c'est un coffre niveau combien? C'est un coffre niveau 180. Donc bon. Ouais, bon, tant pis, c'est déjà bien. Ok, nice. Ensuite, ici. Allez. Là-dessus, tu me tapes un x10. Je serai heureux. Allez, un x10. 104 roses. Je vais ouvrir celui-ci. Hop. 89. Yes! 1280 roses. Allez! Allez, allez! Je sens que Shao Kin va pleurer. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. 73 roses. Allez, encore un, 126. Allez, 172. Bon, tant pis. On va offrir les boîtes à fragments maintenant. Hop. Donc, déjà, elle est imposante. Et ensuite, le surprenant. Ah, bah non, non, plutôt l'inverse. Surprenante, c'est niveau 80. Ok, bon. Yes. Une Aligrotor, deux Hyperscamp et une Gaine. Nice. Ça, c'est bien ça. Ensuite, ici. Une Kongoku et une Danattaque. Mais je crois que c'est la deuxième. Ah ouais, merde, Danattaque. Ah, dommage, c'est les mêmes. Donc là, on a refait 5000 roses alors que j'ai acheté très 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 peu de coffres. Donc franchement, je trouve ça bien bien rentable. Ben, un peu quand même. Parce que dire là, je me suis fait un peu plus de 100 000 kama. Donc ça va. Qu'est-ce que je fais? Je rouvre ou pas? Comme tu veux. Merci, je te demande ton avis. Ah. Bah, fais-toi plaisir, hein. Bah, attends, moi, je vais t'en passer un peu, moi. Ça me sert à rien, les roses. Bon, J'en ai non. 240. Ouais. Si on aurait 246, ça m'arrangerait un peu plus quand même. Bah, j'en ai 244. Mais t'es sérieux? Bon, en fait, j'aurais pas dû le laisser les deux roses à l'autre là, en mode marchand. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Donc là, ça fait qu'on peut en reprendre 20. Non, pas 250. Non, non. 25 non plus. On va en prendre combien? Ça coûte combien tes coffres imposants? 250? Oh, Ouais, je peux non, je même peux pas en prendre. acheter. Moi, je peux en prendre 20. Hop, nickel. Bon, on va voir ce qu'on a Attends, moi demain. je vais en acheter. Je vais acheter des trucs. Comme ça, je vais en prendre un pour voir comment ça va donner. Mais toi, t'as pas de kama, toi, déjà de base. Si, j'ai plein de camas. Lol. 10 roses, ça c'est nul. 130 roses. Mais il est sérieux, il me fout un mois. Mais non, mais il met un fois 10 sur du 60. Putain, arrête. 20 roses, ça c'est un peu nul. Mais c'est pas grave. Bon, 3 roses. On s'en fout. 3 roses, on s'en fout aussi. 22, non, mais il est sérieux. M'a encore claqué un x10, non, mais non, ça c'est pas cool. C'est pas cool. 53 roses. Ah, et c'est tout. Ok. Le malaise. 8 roses, 7 roses. 9 roses, c'est bon. Quel? 35 roses. J'en ai pris une de trop.
79 roses et 2 poutres de résine. Nice. Allez, 100 000 kamas de plus. Encore une fois. Grave. Et 79 roses, ok. Allez, allez, portez-moi chance, s'il vous plaît. Allez, moi j'en ai acheté un. 109 roses. 77 roses, là j'ai envie de pleurer. Tellement que c'est dit. J'ai eu un coffre à ponçant et 250 roses des sables. Ouais, bah en Alors, un fait, coffre de loterie. ça te l'a rentabilisé. Ah putain, allez, 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 allez. Ok. Bah, on a vraiment rien eu, hein, cette fois-ci. À part 100 000 kamas. Mais bon. Pour 5 000 roses, 100 000 kamas, c'est un peu cher, quand même. Et on a eu 1 000 roses. Ou alors, c'est bon, on va arrêter de les claquer. Hein, parce que bon. C'est quoi le plus cher? C'est d'avoir 1 000 roses? Ou comment dire attends mais attends là ça fait qu'on a attends, déjà on a ouvert combien? On a ouvert 155 coffres. Ouais je crois que c'est ça hein. Je crois qu'on a ouvert 155 coffres. En rentabilité. 55 offres de plus, hein, quand même, c'est pas mal. Ouais quand même. La rentabilité n'est pas vraiment. Genre, faut vraiment avoir de la chance. Hein. J'ai même pas eu d'orbe. J'ai envie de pleurer. Non, je déconne. Bon, on s'en fout. Ça fait mal quand même. Hein. J'ai eu un coffre rouillé encore. Vas-y, tu sais quoi, je vais prendre des tourmalines. Ah ouais, c'était putain de rentable, à 9 roses. 8. 8, 8, 8, 8, 8. 10. Mais qu'est-ce que tu fous en combat, toi? Touche à ta pose. Oui, non, mais justement, en fait, je comprends pas comment tu peux être en combat ici. Ah bah ça. Lui non plus, il le sait pas. Je le sais moi. Oh, par Parce hasard, que t'aurais j'ai pas. battu un petit couac de feu. T'aurais pas 10 roses. J'en ai 9. Putain, mais des arrêts! Ah non, Non, mais j'en ai nice. 24. Vas-y, passe-moi en 10. Et ouais. Non, mais 10, pas 24, 10. Putain, mais c'est sérieux. Bon, bah, tant pis, on va acheter la dernière tourmaline. Voilà. Bon, c'est bon, ça fait 6 tourmalines. Bon. Comme vous pouvez voir, la rentabilité est pas là du tout. Hein, donc, pour tous ceux qui voudraient, ou sinon qui pensent se faire des kamas en ouvrant des coffres. Cherchez pas, vous en ferez pas. Hein. Vous allez plutôt en perdre. C'est mieux de vendre les roses. Bon après, c'est mon avis. Hein. Toi, tu penses quoi, toi? C'est mieux aussi de vendre les roses, non? Bah oui, vu que c'est plutôt les coffres, ils sont toujours aléatoires, donc tu sais jamais si t'es sûr de gagner ou pas. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que ça. Et tu Bon, sais ça, pas c'est ce que t'as dedans. mes affaires. Hop. Là, qu'est-ce que je voulais aller faire? Je voulais aller à Bonta. On va aller remettre en vente ce que j'avais. Plus les 4 poudres d'Eni, ce qui fait 200 000 kamas. Donc ça va. Ça va. De sûr, de toute façon, on a perdu des kamas, ça, j'étais pas le contraire, mais bon. C'est pas trop grave, hein. On va dire, je suis pas à 1 ou 2 millions près, donc ça va. Hop. Putain, j'ai encore ça. Oh, sérieux, le prix s'est cassé la gueule, merde. Ah, et les tourmalines, ça se vend pas ici, ça non plus. C'est ça C'est au qui pue. mineur les tourmalines. Ouais, je sais, ouais. Ah, les poudres d'Eni, ça va bien me servir, ça, je vais garder. Ah bah je vois que les écailles ça coûte vraiment plus rien. Donc, bah, allez-y, hein, tous ceux qui veulent aller faire la quête du Dofus Emerald, vous pouvez la faire tranquille. Hein. Les fragments ça ne coûte plus rien du tout. C'est gratuit maintenant, Grave, mec, le ça Dofus. m'exaspère. Le Dofus, mec, il pourrait te le donner. Moi je me rappelle que quand tu le faisais, tu devais dépenser quoi? Minimum 5 millions si tu voulais le faire en achetant. Tu le faisais pas en achetant, laisse tomber. Tu te ruinais, un truc de fou. Ah putain. Donc voilà, juste une petite vidéo comme ça. C'est à peu près tout. Après, tous ceux qui sont intéressés. Ça veut pas partir. C'est quoi ça? J'en ai deux. Ouais, mais c'est normal, mec. C'est un truc totalement inutile. Ah si, c'est bien. Non, Il c'est n'avait nul. aucun HDV. Ouais, mais ça, on s'en fout, ça. Ça, c'est parce que ça sert à rien. J'ai profité à les faire. Voir si ça a acheté. Je sais pas, attends, 100, 200. En fait, je viens de regarder que c'est même pas rentable de prendre des tourmalines maintenant.
Parce que, en fait, j'ai tellement acheté de roses des sables que j'ai fait monter le prix de. Qui était de base de 13 500, je l'ai fait monter à 16 000. Donc, ouais. En fait, c'est plus vraiment, vraiment rentable. Putain, les joyaux Nidas, ils sont en train de remonter, mec. Sérieux? Ouais. Tant mieux. Bah, c'est normal, en même temps, le Nidas, c'est devenu de plus en plus difficile. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je fous de ces fragments de cartes, moi? Mais une Ida, c'est tellement easy à faire, hein. Je sais pas, est-ce que tu sais combien ça se vend, les fragments? Non? Non. Je connais pas du tout le prix, donc bon. Mais c'est pas moi qui irais taper un truc comme ça, parce que je sais pas, en fait. T'engages une team, ils te mettent full idole et que gère le Nidal, tu expectes du 250 millions. Ben là, je parlais pas de la team, en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Reste dans ton délire, t'inquiète pas, Kibis. Là. On va pas te juger, t'inquiète pas. Hop, hop, je vais juste rebalancer ça. Donc, si vous voulez un des exos, oublie pas, j'en vends toujours, hein, bien évidemment. Je vais juste voir s'il n'y a pas quelqu'un qui en a fait un entre temps. Un fond marin, bon, je suis toujours le seul. Hein, mais... Et peut-être en fait, d'un côté 57, enfin, mais ça me coûtait tellement cher en taxes. Celui-là, je vais le descendre. Je l'ai mis à 53, mais je vais le descendre à combien? 49. Ouais, hop. 500 000 de taxes. Ouais, ça pique quand même. C'est vrai que quand même, ça commence à un peu piquer. On va mettre à combien? 54. 550 000 de taxes. Oh putain, c'est tellement cher. Voilà, comment claquer 1 million. Voilà. Vous foutez des machins en vente. Et vous claquez 1 million de kama. Voilà. Donc moi je vous laissais sur ça. Je tiens à vous remercier de suivre mes vidéos. Ça fait super plaisir. Abonnez-vous si vous voulez suivre la suite des aventures de ma chaîne. Et voilà. Merci de continuer à commenter, à liker, à partager comme d'habitude. Et moi je vous dis à plus. C'était Number. Ciao. Salut!